Trois monde mourir, plusieurs autres blessés à balle et puis coup de manchette, c'est bilan deux jours affrontement jeune dans quartier la Saline. D'après quelques jeunes ça, toute bagarre était commencé jeudi 1er novembre nan. Côté d'après yo, Franco Cadavre, yon dirigeant organisation k'ap dirige quoi des Bossal, tatoué ak balle yon certain Emmanuel. Vendredi 2 novembre nan, même groupe là avec deux frères Ronald ak Franco Cadavre, tatoué et puis tiré yon l'autre jeune qui relé à Muchacho. Gen plusieurs l'autre jeune qui blessé, yo mettait di fetou dans divers kay. Jeune la Saline yo dénoncé complicité la police avec groupe ça. En tout cas, il y a trois personnes qui sont mortes. Il y a Negonal Kadav qui a tué le 1er novembre. Et jeudi, je crois qu'il a tué deux. Il a tué un petit lot, un petit petit qui se nomme Amuchacho. Neg Franco avec la police d'elle, il a arraché Amuchacho. Il a accompagné avec la police. Oui, la police. Depuis hier, neg yon nan machine police, il a arraché moun. Même quand il m'a déchouqué là. Ah, plusieurs. Yo krasé kay policier yo, yo krasé. Ah, yo krasé un paquet kay. Ça veut dire son petit groupe moun. Qui est-ce qui dans tête là? Franco, Ronald Kadav dans machine police. Ronald Kadav y a cherché oui, Ronald Kadav dans machine la police avec zam nan men a krasé kay moun. Ah ben. Jean nous yon baka rentrer la kay nou. Raison nouveau conflit ça c'est toujours contrôle marché Kwa Bossal là d'après Jeannio Franco Cadav t'a décidé croiser dans zone groupe ça d'après Jeannio dit au bénéficier gros appui tension toujours blayé dans zone Saint-Joseph avec la Saline Jeannio qui court qui te caillou mandé concours président Aristide on va parler là yo crase caillou plate net plate monsieur Sayo ça veut dire nous te lever contre yo pour t'être habillé à faire dans quartier mais nous lever contre eux et pendant la et nous tant demande à lancer contre parce que toujours dit au même depuis Aristide sous pouvoir c'est eux qui ont géré parce que petit Aristide joyé semaine passée yo passé dans machine dans mi temps la salle donc on était dans marron yo passé yo fait dire saute contrat avec Aristide dans palais yo relé pouvoir redoubler peuple la saline mettre grain dans monde yo parce que Aristide mettre la saline sale dit à ses vérités depuis jour ça tous ces dégâts qu'a fait dans la saline. Tout le monde la saline, c'est courir, monter, courir, descendre. Bon, actuellement, la Kounia, pas de monde qui a été la saline, même encore là. Pas de monde, on a demandé le président Aristide. Ça, le dit dans le bagage, ça, est-ce que c'est le résultat, votre nous en ça? Nous, même peuple la saline qui a goûté pour dire, est-ce que c'est le résultat, votre nous en ça? La banou là, c'est merci, la dit nous là. Nous apprenons, journée samedi, la police a fait intervention dans la zone de la Saline, mais c'est après affrontement. Nous avons essayé de contacter la direction départementale Ouest DDO, cafétéria, commissariat Port-au-Prince et porte-parole police nationale d'Haïti. Pas de aucun monde qui était disponible pour l'information. La police nationale d'Haïti a annoncé que quartier qui est en conflit dans la cité Soleil a baissé les armes. Jean Dadisi Meyon qui fait annonce là partant mezi pour dire si PNH a fait des armements dans groupe yo ou bien si c'est un petit campo quartier cap bataille yo prend dans pigo bidon ville pays a. Porte-parole PNH a toutefois souligné conseil supérieur police là mette un plan sous pied pour prendre toutes armes qui illégales dans cité a. PNH a mette tout en opération pour bailler autorisation pour certains citoyens pour tes armes dans cité Soleil. Jean Dadisi Meyon déclaré conflit entre groupe moun ki a examen yo fini dans toute zone qui chaud qui forme bidonville ça. D'après lui la police gagne contrôle situation dans cité Soleil. Nous même au niveau de la police nationale d'Haïti nous dit bravo pour population cité Soleil qui jounen jodi an pas d'accord pour que moun rele yo l'armée rouge di yo c'est moun k'ap fè la guerre et bien a fait question de conflit entre groupe en cité Soleil là ça fini et la police nationale d'Haïti a marché main dans main avec moun cité Soleil pour que ça k'ap constaté là li rete comme ça. Et puis pour Cité Soleil toujours une propre, pour pas dire c'est ville qui pis sale ou bien c'est quartier qui pis sale qui gagne dans la capitale là. Et moi pas quoi que c'est même seulement qu'a dit que conflit infini gagne de monde dans Cité Soleil là tout qui là ou mettre parler avec eux et prendre point de vue pour connaître si a gagné genre de bagage ça encore. Naturellement nous connaît au niveau de la police nationale d'Haïti, nous avons un travail sérieux que n'a fait pour que nous capables rentrer tout le monde dans la légalité. Donc si gagne de monde qui gagne ça mais eux illégalement la police va le faire effort pour que je fais tout le monde venir jeter sa mieux dans pied la police. Et puis, pour que la population reconnaisse que c'est la police seulement qui est là pour assurer la sécurité. Et dans ce sens-là, pour établir confiance en nous-mêmes. Et nous-mêmes, tout, nous avons marché main dans main avec eux, Jean Dillan, pour nous continuer avec le mariage qui fait du jeudi. Ou même, étant donné que nous-mêmes, on a ce soleil-là, jeudi, moi-même au niveau de la police, pour me dire si nous avons contrôlé la situation, essayez de prendre pour la situation, pour garder pour eux. Si il y a un problème dans ces soleils, je ne veux dire. Si il y a un désarmement qui fait et vous parlez de conflit fini, est-ce que vous pensez que c'est un bail qui est juste? Comprenez bien, moi je fais ce que je dis là que
dans souci pas nous pour que nous assurer sécurité population, nous gagnons tout pour nous capables récupérer et régulariser tout le monde si gagne de monde qui gagne capacité autorisation pour porter des armes, et bien la police est seule institution qui est habilitée à autoriser monde porter des armes. Mais sans monde tout des armes illégales dans mais moi crois que ce travail pas nous-mêmes pour que nous capables récupérer toutes armes illégales qui dehors. Et encore une fois on dit li population cité soleil en train de faire la paix avec tête li, et puis moi pense que notre travail la police là comme nous dit que il faut une participation, il faut une volonté de la population pour que travail la police soit capable de faire. Donc comme il y a une volonté ça qui est déjà manifestée, nous mais attendons nous que dans l'heure qui va arriver là, dans le jour qui va arriver là, nous allons constater de plus grandes choses qui va le faire encore dans ça ne démarre là déjà. Bon côté par le groupe Nega Xama, quartier Soura, il a démenti ça fait l'appel à la police à parler qui est dans la cité Soleil là. Il souhaitait abgain un jour qui va venir abgain vraiment la peine dans bidonville ça. Groupe Nega Xama quartier Wafio longe doit sous certaines autorités qui toujours à la base à conflit Xama qui habitué éclaté dans cité. Nous pas carrément égal nous nèg pas là nous pas même compte qui ça venir régler seulement nous on est agenda d'Siméon on est dit des paroles après ça dire là et nous même nous te voter président nous te voter président pas voter président pour nous dépasser misère comme ça nous te voter président pour nous te capable bon changement mais nous au lieu pour bon changement nous c'est les jours en jour il y a mettre nous face à face il y a fait nous même quoi faire la guerre il y a pas un groupe cob et puis pour venir attaquer nous même lui a pas attaquer l'autre égal nous même c'est là tout ça nous te voter Aristide. Si vous venez parler là, je dis à la fois, vous êtes capable de parler avec nous, vous êtes dit nous, vous êtes posé nous questions, qui problème nous. Vous êtes bien sûr, vous avez demandé de la paix à vous, même encore qui parle pêcher la paix. Vous comprenez? C'est vous qui parlez pêcher la paix parce que c'est vous même encore qui mettez nous en guerre. Vous comprenez? Vous qui savez venir régler là. Comme ça va même mettre aux gens qui nous n'en pas dit des petites paroles. Nous commençons maintenant, Cité Soleil, il y a une grosse bataille qui a éclaté. Côté, 5 personnes mourir, en pile blessé et puis plusieurs dizaines qui ont boulé. Bataille a été éclatée entre 4 Soleil 9, 17 et Souraï. N'a signalé depuis quelque temps, yo mois pas jamais passé pour pas gagner affrontement qui éclaté entre groupe nèg exam dans bidonville ça. Trois monde mouri, plusieurs autres blessés avec balle et puis coup de manchette, c'est bilan deux jours affrontement jeune dans quartier la Saline.